Une recette facile à réaliser pour les gourmands, des gaufres. Des gaufres avec l'ustensile adéquat, un gaufrier de chez Campouz. Pour les gaufres, qu'est-ce qu'il nous faut? Prendre un peu de farine. On va réunir tous les poudres d'abord, hein. Donc de la farine qu'on a tamisée. Le sel, le sucre. La levure qu'on va éviter, qu'on met autour sur les rebords pour pas que ça se mélange avec le sel, parce que le sel va cuire la levure autrement. Là, on mélange nos poudres. Voilà. On incorpore nos jaunes. Après les jaunes, on va incorporer petit à petit le lait. On y va en plusieurs fois. Ça va nous permettre comme ça d'éviter d'avoir des grumeaux. Alors attention qu'il ne soit pas de noisette, c'est pas le but. La base étant terminée, il nous reste une seule chose qui est très important, c'est d'incorporer les blancs montés dans l'appareil. On met une petite pincée de sel et on commence à monter les blancs. Donc ce qui est important pour les blancs, souvent on a des difficultés à monter les blancs, il faut casser très rapidement. Et après on ralentit. Et là on incorpore de l'air. Et on incorpore tout de suite nos blancs dans l'appareil. Donc je prends un petit peu de la masse, vous voyez, ils sont très légers. Regardez, on voit les blancs, le trou des blancs d'œufs. On part toujours du centre et on tourne. On part du centre et on tourne. Il faut savoir que lorsqu'on monte des blancs d'œufs, quand on continue à les incorporer comme là, ils continuent à monter. Donc il ne faut pas trop les monter. On voit vraiment la qualité de l'outil. Les matériaux sont lourds. On va avoir une gaufre qui va être bien répartie. Pour accompagner, on va faire quelque chose de classique, une crème chantilly, une crème fouettée. On demande de la crème avec un fouet. L'idéal pour une ménagère, c'est de mettre sur un bac avec de la glace. Vous mettez un grand récipient de la glace, vous mettez votre récipient, la crème, et vous la montez. Ça vous permettra d'avoir une crème qui montera plus rapidement, et si elle n'est pas forcément d'une qualité exceptionnelle, ça l'aidera à monter. Produit saison des fraises, et on va rester très gourmand, il faut qu'il y ait une bonne bouchée